vas l'avoir du sport. 6-9 la matinale, matin sport. Sport. Maman Dubourg, bonjour. Bonjour. Gros point d'interrogation, grosse question. Ce matin, y aura-t-il, oui ou non, match de l'USMA? Vous vous interrogez sur... et vous posez la question, la réponse semble évidente dans la cohérence de la décision qui a été prise au match. Allez, au stade du 5 juillet. Pas question de négocier, pas question de revenir en arrière. À la réunion technique, l'équipe marocaine a présenté le même maillot qu'elle avait présenté au stade à Alger. À partir de ce moment-là, l'USMA d'Alger ne jouera pas et ira jusqu'au bout de sa démarche, c'est-à-dire les différentes étapes qui vont l'emmener au tribunal arbitral des sports. Rappelons que c'est Berkane qui, à travers sa décision et la CAF également, à travers la décision d'homologuer un tel maillot, qui a amené la politique au niveau du sport. Or, le match aurait pu se jouer le plus normalement du monde en aller-retour avec le respect de la réglementation au niveau international et ce que stipule la Fédération internationale de football. Pas de message politique sur les maillots. Chose qui n'a pas été faite par l'équipe de Berkane, mais également qui n'a pas respecté la réglementation internationale, mais validée par la Confédération africaine de football qui a homologué le maillot de la honte. Voilà donc pour revenir et pour répondre à votre question. Il y aura en revanche le deuxième match en Coupe de la Confédération africaine de football, mettant aux prises l'équipe de Dreams. C'est les Ghanéens de Dreams face aux Zamalek. Au match aller, 0-0 entre les deux formations. On va enchaîner avec les JO, parce que c'est l'actualité également, les Jeux Olympiques. Dernier tournoi qualificatif pour les JO en escrime sur les 6 armes. C'était hier au centre sportif féminin de Benaknoun. Retour sur la compétition avec Nessima Djaout. L'Algérie a échoué à qualifier 2 athlètes au minimum supplémentaires aux Jeux Olympiques de Paris 2024. On comptait beaucoup sur Charline Bourlifa à l'épée féminine qui s'est inclinée en finale face à la Sénégalaise Diong Ndiaye Binta, 15 touches à 10. Il fallait attendre la dernière finale, le sabre masculin. Les espoirs reposaient sur Zakaria Bounchada qui finalement s'est inclinée face à un athlète du Niger, Giro Evan Jean Abba, 15 touches à 10. Par ailleurs, Mariam Mebarki n'a pas réussi, elle, à aller en finale. Elle a été éliminée en demi-finale, alors que Tamel Houssamdine Berkane, lui, a été éliminé en quart de finale. Déçu, on écoute le vice-président de la Fédération algérienne d'escrime, Omar Benadouda. Moi, je suis déçu. En tant que fédération, nous avons tablé sur 3 qualifications. Comme ça, on aurait eu une participation record. Malheureusement, le niveau était très 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 élevé. On a vu que le niveau africain, c'est plus le niveau africain d'antan. Nous avons vu toutes les fédérations qui ont participé avec des binationaux et même des athlètes qui ont été naturalisés récemment. On a vu que les matchs étaient très très serrés, mais ça s'est joué sur les finales, sur le mental. Il y a le championnat d'Afrique qui vient, nous espérons faire mieux. Nous souhaitons à nos 5 qualifiés déjà pour les Jeux. Là, ils vont nous créer une surprise, Inch'Allah. L'Algérie devra se contenter des 5 escrimeurs déjà qualifiés. Saoussen Boudiaf au point en individuel, mais aussi au sabre féminin par équipe avec Zahra Kahli, Kautar Mohamed Belkbir et Sheima Benadouda, alors que Salim Haroui s'est qualifié au fleuret masculin. Voilà, donc ça c'est pour l'escrime également, on va rester, parce qu'on est, il faut le rappeler, à moins de 100 jours du début des Jeux Olympiques qui ont lieu à Paris, le 20 coup d'envoi, cérémonie d'ouverture le 26 juillet prochain. Alors dès maintenant, on est en train de scruter les performances des athlètes, et ça a très bien débuté pour le demi-fondiste algérien Slimane Moula, qui a remporté la course du 800 mètres au meeting de Ligue de Diamant de Suzhou en Chine. Je rappelle, les meilleurs athlètes au monde étaient présents pour sa première sortie officielle cette saison. L'Algérien a décroché la première place devant le Kenyan Kinyamal Wycliffe et l'Américain Murphy Clayton, parcourant la distance en 1 minute 45 secondes, 18 centièmes. On va écouter son entraîneur, l'entraîneur de Moula, sur cette qualification. On va retrouver notre spécialiste maison, Malik Louahla. Une entrée plutôt réussie de Slimane Moula qui remporte l'épreuve de 800 mètres de cette deuxième manche de la Diamond League à Shanghai. Slimane Moula a réalisé un bon chrono d'1 minute 44 secondes et 55 centièmes dans une course où il a dû résister à plusieurs assauts du troisième meilleur performeur mondial de l'année, à savoir l'athlète kényan Wycliffe Kinyamal, qui a réalisé quant à lui le temps d'1 minute 44 secondes et 88 centièmes.
Sidi Ali Sabour, l'entraîneur de Moulin, nous livre son analyse sur la première sortie de son protégé. C'était une course beaucoup plus de début de saison. On n'avait pas de repères, donc il fallait se positionner, il fallait prendre les devants et essayer d'être avec le peloton. Ça s'est bien déroulé et on va essayer de faire le maximum pour réaliser les objectifs tracés en début de saison. Cette performance classe désormais Slimane Moulin à la 9e position du top liste mondial. En attendant ses prochaines sorties, prévues le 28 mai prochain au meeting du Golden Spike à Ostrava en République tchèque, suivi du meeting de Stockholm le 2 juin prochain pour le compte de la 7e manche de la Diamond League. Prochaine étape de la Diamond League est prévue le 10 mai prochain du côté de Doha au Qatar. Avant le football, les sports courts, d'abord le handball, tombé de rideau sur le championnat d'Afrique, Mabar Djebor. Qui a abrité la ville d'Oran. Il y a eu la Super Coupe d'Afrique et le championnat d'Afrique, aucune équipe algérienne. En finale, retour sur la compétition et sur cette finale qui a mis aux prises le Zamalek à l'Espérance. Compte rendu, Lotfi Benidier. Fin de la 40e édition du championnat d'Afrique des clubs vainqueurs de coupe chez les messieurs. C'est l'Espérance de Tunis qui a remporté le trophée pour la 4e fois de son histoire après sa victoire en finale face aux Zamalek d'Égypte 30-25. Et sur cette consécration, on écoute l'homme du match dans cette finale, Bilal Abdelli. Mabrouk alina tatouij. L'haqiq qad nmch nqol lak tatouij ba3b bou chwaya. Belhaq yemkin akther compétition koul li tabt fiha ma3na men bdit nlaq. Koul titre l'haqiqa bdemo. عملنا الحقيقة ما تخنش في الكومبيتيسيون بالكدا الماتشات اللي في الدور الاول ما كانوش ماتشات باهيين اما الناس الكل تعرف اللي جروب كيما هذا كي تحك ركاب ما تلقى كان رجال الشعبات قالوا لي كرة اليد المصرية فاتت كرة اليد التونسية احنا اليوم مرينا اللي مش صحيح ربحنا الاهلي في الدومي فينال ربحنا الزمالك في الفينال كل سيونس باش نكونوا موجودين فيها باش نلعبوا كان على التيتر مبروك علينا مرة اخرى. Pour sa part, l'Espérance de Skikda termine à la 4e position après sa défaite en match de classement face à El Ahly d'Égypte 37-28. Chez les dames, c'est le Primero d'Agosto qui a remporté le trophée après sa victoire face à son rival, le Petro de Luanda, 23-22 après prolongation. Par ailleurs, la 3e place est revenue à la formation égyptienne d'El Ahly. Doran, Lotfi Benidir pour Alger Chaîne 3. Aucun club algérien en finale, le fossé se creuse de jour en jour entre notre handball et le handball égyptien et tunisien. C'est ce que disait hier d'ailleurs l'entraîneur de la JSM Skikda sur notre antenne. Ligue 1, Ligue 2, il y a eu du foot hier. Il y a eu d'abord deux matchs. La JS Kabylie, match important, s'est imposé 3-2 contre Ben Aknoun, ce qui donne de l'air et qui permet à la JS Kabylie de s'extirper et de se retrouver dans le ventre mou du championnat avec en occupant la 8e place. Et puis le match nul entre l'AS Ochef et Magra, 2-2, sans oublier en soirée la victoire du Moudia d'Alger qui s'est dessinée dans les 10 dernières minutes face au Paradou Athletic Club. Le Moudia d'Alger qui s'envole vers le titre de champion. Aujourd'hui, dernier match, se mettra aux prises le Mouloudia d'Oran. Et d'ailleurs, pour la circonstance, il a été décidé d'ouvrir les portes du stade Miloud Hedfi, la gratuité pour permettre aux Oranais, parce que les supporters ne viennent pas soutenir leur équipe face au Chebab Riadi de Belouizdad, le champion en titre. On a joué également en Ligue 2, statu quo dans le groupe Centre-Ouest. Le leader et son poursuivant immédiat se sont imposés, l'Espérance de Mostaganem 4-0 devant l'Olympique de Médéa. Et Kouba s'est imposé petitement devant la JSM Tiaret, 1-0. Dans le groupe Est, Arkbou est à 2 points ou à 1 point de l'accession. Ils sont déjà en Ligue 1, puisque hier, Arkbou s'est imposé également 2-0 devant le Harrach, alors que son poursuivant immédiat, le Moudia de Batna, a été battu par Cherroum Laïd. On commence le tour d'horizon des championnats étrangers. Eh bien, Liverpool s'écroule dans la dernière ligne droite. Liverpool qui a été accroché, je le rappelle, 2-2 par West Ham et a eu cet accrochage entre Mo Salah et son entraîneur Klopp au moment où il rentrait West Ham. Le score était de 2-2. Il lui disait « Tu me fais rentrer en retard, mécontent, Mo Salah !» C'est pour Klopp. Ça dit la crise à Liverpool aussi. Oh, mais Klopp est partant. En conférence de presse, Klopp a dit « Ça y est, la page est tournée, l'incident est oublié. » En revanche, Mo Salah a déclaré « Si je parle, il y a le feu !» On retiendra également que Manchester United a fait match contre Burnley. 1-2, large victoire de Newcastle devant Sheffield. 5-1 en La Liga, ce qu'on retiendra, c'est que l'Atlético de Madrid s'est imposé devant l'Atlético de Bilbao. 3-1 à retenir également en Italie. Le match nul entre la Juve et le Milan AC. 0-0. 46e match sans défaite, toute compétition confondue pour le Bayer Leverkusen qui a fait match nul contre Stuttgart, 2-2. En revanche, le Borussia Dortmund s'écroule à Leipzig, battu 4-1 et se retrouve en difficulté pour une qualification en Champions League européenne. Et le Paris Saint-Germain a fait match nul contre le Havre, 3-2. Aujourd'hui, à retenir notamment le match qui mettra aux prises en Angleterre. Ça, c'est un derby.
Tottenham, Arsenal.